Coucou tout le monde! Me voilà aujourd'hui avec cette vidéo euh, pour vous montrer mes coloriages terminés du mois d'octobre 2023. Euh, euh, je suis bien surprise combien j'ai réussi à colorier, combien j'ai fait, combien j'ai terminé parce que euh, tout au long des mois j'ai toujours beaucoup beaucoup d'encours et en fait euh, j'en avais quelques-uns mais en regardant la pile j'en avais pas terminé beaucoup de mes encours mais j'ai quand même. Euh, voilà, j'ai colorié euh, 12 coloriages. Ce qui est pour, pour moi beaucoup. Normalement, j'en fais euh, 6, 7, 8 euh, environ, mais pas 12. <laughs> je ne sais pas. Apparemment, j'étais productive. Apparemment, j'avais plaisir à colorier. Donc, on va commencer. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai tout d'abord commencé à colorier dans mon euh, 4 saisons euh, de ce joli livre coréen euh, que j'aime beaucoup et que je n'avais pas encore commencé. Et puis. Euh, euh, pour le challenge des bonheurs du mercredi, je me suis dit, c'est l'occasion, on va commencer et on va faire ce petit colo qui est où Là, qui est ici. Voilà, j'ai pris les couleurs, euh, voilà, ça c'était l'original, et puis euh, moi je suis allée dans ces couleurs-là, euh, très pastel. Je suis désolée, il y a beaucoup d'ombre, mais il fait super sombre euh, ici au nord de l'Allemagne, et puis euh, j'ai du mal à. Euh, voilà on voit la lumière qu'il faut ouais je suis désolée il y a beaucoup d'ombre hein. bon. en tout cas j'ai euh, fait euh, très pastel je voulais faire euh, des citrouilles euh, voilà dans ces teintes là et puis euh, la petite robe de la fille je l'ai fait avec du washi tape en tissu voilà que j'ai collé dessus et en fait c'était l'idée que j'avais en regardant euh, les habits que la petite fille elle a dans ce livre. Je me suis dit que je pense que je vais faire, euh, je le fais, je vais, je vais faire dans ce genre-là. Que très souvent les petits habits, euh, les petites robes de la fille, je les ferai avec du washi tape en tissu. Euh, j'ai déjà plusieurs idées, j'ai déjà plusieurs euh, morceaux que je vais pouvoir découper et utiliser pour ce livre-là. Et puis. Euh, pas de, pas de fond, la peau, elle n'est pas faite non plus. Je l'ai voulu vraiment essayer de faire comme euh, dans l'original. Un original, vous voyez, il y a que vraiment euh, des quelques taches rouges pour montrer les articulations et les joues. C'est ce que j'ai voulu faire. Et moi, je l'ai fait en très clair pastel pour que, pour que ça matche avec euh, voilà, les couleurs du colo. Les petits euh, lapins, je ne les ai pas coloriés non plus parce que je voulais qu'ils restent blancs. Je me suis dit que ce n'est pas nécessaire de faire un. Mettre du, des, des ombrages. Donc, j'ai vraiment fait quelque chose de très très simple. C'était super rapide. Le papier est magnifique pour colorier. C'était tellement agréable. Euh, ça, ça passait euh, vraiment, vraiment ça. J'ai passé un super bon moment à faire ça. Et puis, euh, et ayant terminé ce, ce colo-là, j'aurais bien fait un autre. Euh, mais je me suis dit, non, ma pile, elle est vraiment. Euh, ma pack, elle est vraiment grosse. On va continuer. Mais euh, j'ai vraiment grosse envie en novembre de refaire un autre colo. Euh, parce que c'est un énorme plaisir de colorier dedans. Et puis, justement, de faire. Euh, les visages vraiment comme ça tout simple avec euh, euh, vraiment pas de couleur de peau mais vraiment que les articulations j'aime beaucoup ça me simplifie la vie et je me... Je me... Euh, comment dire je, voilà, Ça me prend beaucoup la tête en fait les couleurs de peau et en fait euh, comme ça c'est vraiment plus simple. <laughs> c'est vraiment beaucoup plus simple. Et aussi beaucoup plus amusant. Voilà. Euh, j'ai ensuite pris mon petit Halloween euh, Matchstick Mouse que j'avais reçu cadeau de Sandrine. Merci, merci beaucoup Sandrine, ça m'a très motivée à y aller, ça m'a très inspirée. Euh, je vais vous montrer ce que j'ai créé. Euh, je me suis dit que je vais faire ça comme mon petit euh, Matchstick Mouse automne. Euh, je, je colorie euh, les illustrations et puis, euh, euh, par exemple pour vous montrer, euh, qu'est-ce que j'avais fait le mois d'avant. Je vais vous montrer rapidement si je trouvais une illustration que j'ai faite. Euh, là, par exemple, celui-là. Euh, voilà, je colorie l'illustration, je la laisse, je la photocopie. Et puis après, je vais dans un petit carnet Art Journal. Euh, que, et dans ce carnet-là, avec la photocopie que je fais, je fais des sortes de collages. Euh, des pages, voilà, dans ce genre où je peux vraiment m'amuser et puis faire des sortes de collages et puis aller vraiment aussi un peu dans la dimension pour avoir vraiment des, de la structure et du relief. Voilà. Donc ça, c'était ce que j'avais fait en septembre. Et puis là, maintenant, pour octobre, euh, j'avais très grande envie justement aussi pour euh, le challenge de... Des bonheurs du mercredi. Euh, justement, sur l'autre, j'avais fait quatre citrouilles. Et là, cette fois-ci, j'ai pris aussi une illustration avec des citrouilles. Et j'ai pris celle-ci avec le petit chat noir. Et là, euh, bien sûr, avec la lune, je ne pouvais m'empêcher de faire une lune rouge. Euh, C'était pratiquement clair que j'allais la faire rouge. Et euh, les citrouilles, je les ai donc fait en bleu. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 5 citrouilles en plus. Donc ça fait 9. Voilà, donc je me suis vraiment bien amusée, c'était super rapide, vraiment euh, lune rouge, les, les étoiles en stylo gel uniball, et puis euh, les citrouilles et les feuilles, euh, je pense que c'est des Arteza avec les couleurs que j'ai depuis quelques mois, euh, que j'utilise sans arrêt quand je fais du rouge et bleu, euh, voilà, c'est la palette de couleurs que j'utilise beaucoup en ce moment, si vous avez vu mes autres vidéos. Voilà, et puis avec celui-ci, euh, je peux vous montrer, j'ai encore d'autres en cours, j'avais en même temps, j'ai fait... Euh, j'avais commencé là, j'avais mis la, la peinture justement, ça va passer, c'est pas grave. Euh, J'ai mis la peinture justement pour l'autre euh, lune. J'aurais bien voulu faire le même genre, mais après je me suis dit, je vais avoir trop de trop de citrouilles donc je pas fait, <laughs> je les ai pas fait parce que je sais pas. Je pense que pour le challenge, il faut vraiment en faire 23 et, et pas plus. Et, et si je fais encore les quatre là, j'en aurais trop donc euh, je ne l'ai pas continué. Et puis j'avais aussi encore commencé un troisième. Euh, mais je n'ai pas continué non plus parce que sinon pour le challenge, euh, ça aurait aussi fait trop de citrouilles. Il est où il est où? Il est où? Il est où? Là, celui-ci. Voilà. Donc ce sont des cours. Je le terminerai. Mais là, ça, ça faisait euh, trois citrouilles en plus au, en, au, aussi. Donc euh, je ne l'ai pas continué. Ça, c'est ce, justement. Euh, euh, la couleur de cette citrouille-là. C'est la couleur que j'ai utilisée aussi pour... Euh, pour les, la petite fille euh, du livre pré précédent. Voilà. Et je reste très souvent dans les mêmes palettes de couleurs. Quand j'ai sorti mes crayons au début du mois, après, j'utilise que ça pendant tout le mois. Donc, vous allez voir ces couleurs de feuilles. Euh, vous allez voir dans les autres colos. <laughs> ça va aussi réapparaître. J'ai trop la paresse en ce moment de, de chercher sans arrêt les couleurs. Donc, euh, au début du mois, je me cherche une palette ou deux ou trois de différentes couleurs. Et puis après, je fais que. J'utilise que ça pour le restant du mois. Voilà. Pour revenir à mon petit chat. Euh, j'avais eu cette idée parce que je me suis dit j'ai envie de continuer et euh, de refaire une double page dans ce petit euh, journal là et je me suis dit que j'aimerais bien faire quelque chose euh, euh, en essayant d'utiliser du tissu et euh, donc j'ai regardé ce que j'avais euh, près de chez moi, euh, ce que j'ai toujours chez moi dans mes, dans mes bagages, et j'ai trouvé euh, du tissu euh, dans ce genre avec des petites fleurs, et puis avec des petites, voilà, des petites fleurs dans ce genre qui vont très bien puisque c'est du bleu et du rouge, et puis un petit morceau de feutrine. Et j'ai photocopié l'image avec sur du papier euh, normal, hein, imprimante, euh, avec photocopie. Je l'ai imprimé dessus, je l'ai posé sur mon tissu et c'est ce que j'en ai fait. Euh, ce n'est pas parfait du tout, euh, vraiment pas du tout. Vous voyez que le papier est très très froissé à force de travailler dessus. Il y a un gros pli de euh, du machin là pour, euh, pour coincer le, papier, euh, le tissu pour euh, broder. Euh, comment on appelle ça le tambour. Euh, voilà, il y a un gros pli. Je n'ai pas réussi à le retirer même avec euh, le fer à repasser. Il y a un gros pli aussi parce que ma feutrine est relativement épaisse et donc on voit le pli euh, entre, voilà, feutrine et tissu. Euh, mais ce n'est pas grave du tout. C'était vraiment un essai et je me suis super amusée. Je me suis vraiment, vraiment beaucoup amusée à faire de la broderie sur le papier, à repasser les contours de la lune et des étoiles, de mettre des... Des, euh, de mettre des, des perles en plus pour mettre des étoiles en plus qui brillent et puis pour le bas j'ai fait euh, j'ai mis des fleurs j'avais l'intention je voulais mettre des fleurs et je me suis dit je vais les mettre en bleu pour rester justement sur euh, sur cette idée de euh, c'est la nuit euh, tout est bleu euh, mes fleurs aussi elles sont bleues et puis j'avais commencé avec ces grosses fleurs là que j'avais tracé avec du crayon à papier mais seulement celle là et puis après tout le reste ça a été très très intuitif euh, j'ai fait j'ai commencé à faire des roses j'ai mis des perles sur les centres euh, j'ai mis des boutons j'ai mis d'autres perles un peu plus grosses j'ai mis des sortes de petites branches avec euh, des, des des perles pour euh, montrer qu'il y a des comme des petites euh, des petites baies sur ces sur ces petites branches voilà, là aussi. Et vous voyez, c'est très, très épais et il y a vraiment du relief, il y a vraiment de la dimension. Euh, je me suis tellement amusée à faire ça. Euh, J'ai mis aussi euh, cette, euh, cette fleur-là, c'était un cadeau de Cindy qu'elle m'avait fait. C'est en, en, en bois qu'elle avait mis en peinture. Euh, ça brille aussi un petit peu. Je ne sais pas si vous allez le voir. Euh, je me suis dit, ben, c'est l'occasion, je vais l'utiliser. Voilà, on voit que ça brille un petit peu. Donc c'était l'occasion de le prendre et de le mettre avec et puis encore des petits branchages. Euh, voilà, je me suis super amusée. J'étais tellement fière de mon idée et puis d'aller vraiment complètement à l'intuition et de voir ce qui se passe avec des rubans, euh, de, du fil de laine, des fils de, fil de broderie, euh, des rubans. Euh, vraiment, j'ai ai trop aimé. <laughs> j'ai trop aimé. Euh, comme je vous dis, c'est pas du tout parfait. Je pense que la prochaine fois, il faudrait vraiment le transférer sur du tissu. Ça serait plus sympa pour pas avoir justement ces, ces sortes de plis qui dérangent un petit peu quand même. Euh, et j'avais eu l'intention euh, de le mettre dans mon journal euh, et de le coller sur une double page comme ça. Et le problème, c'est que j'ai pas pensé que quoi, je, je, je savais pas ce que j'allais avoir comme résultat et je pensais pas que mes fleurs auraient tant de relief. Et le problème maintenant, c'est que je ne peux plus, euh, je peux pas le coller dedans parce que c'est trop, il y a trop de relief. Je peux pas le plier, euh, ça, ça ne marche pas, <laughs> ça ne va pas, ça fait que je pourrais même plus fermer mon livre et je pourrais pas continuer à l'utiliser pour les autres coloriages. Donc jusqu'à présent, il est comme ça. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais en faire. Je pense éventuellement même le mettre dans une sorte de petit cadre et le mettre euh, voilà sur sur le mur peut-être éventuellement parce que j'aimerais bien faire une sorte de mur avec beaucoup beaucoup de cadres différents et de mixer un peu les différents styles euh, de mettre de la broderie du dessin euh, des images. Euh, Peut-être aussi euh, quelques Diamond Paintings que j'ai fait que, que, qui me plaisent vraiment beaucoup. Euh, vraiment à faire un gros mix euh, d'images de, 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 différentes. Éventuellement, je le me mettrai même s'il n'est pas parfait. Vous savez, moi, ce n'est pas la perfection qui compte. Euh, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment la créativité, le plaisir de s'amuser et d'essayer et de faire de nouvelles choses. Et je pense que là, vraiment, j'ai dépassé ce que j'ai fait jusqu'à présent au coloriage. Euh, J'ai bien hâte de refaire quelque chose dans ce genre là. Euh, Peut-être pas prendre la feutrine, justement, de prendre un tissu un peu plus euh, euh, moins épais, justement, pour ne plus avoir de plis. Euh, voilà, Alors, vraiment, ça c'était quelque chose qui m'a vraiment extrêmement plu. J'ai adoré le faire, j'espère qu'il vous plaît. Euh... Voilà et puis c'était quand même relativement rapide. Je... Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de broderie Et en fait. Euh, voilà, j'étais rapide quand même. Euh, j'ai passé une, une, petite, une petite journée à faire ça et c'était trop trop marrant. Quoi. Trop ça m'a trop inspiré. Euh, j'ai ai trop aimé faire. <laughs> Donc merci merci Sandrine, ça m'a vraiment inspiré ce petit livre euh, que tu m'as offert et euh, bon, comme tu vois j'ai deux autres en cours que je terminerai. J'ai trop hâte de continuer. Euh... Euh, voilà, c'était trop... Voilà. J'aime tellement ces petits euh, livres match segments de mango Lamboine parce qu'ils sont petits, ils sont rapides à colorier, et puis après on peut faire vraiment des choses vraiment euh, très diverses. Et c'est vraiment ce que j'ai l'intention de faire, de peut-être y aller tous les mois, plus ou moins, et puis d'essayer de, de faire au moins euh, une petite création justement dans ce journal et vraiment aller dans, dans la... Euh, et puis aller dans, vraiment dans la créativité. Euh, d'essayer de nouvelles choses, de nouvelles techniques, euh, voilà, de, de, de vraiment se lâcher et de voir euh, ce qui se met en place quand on se lâche. <laughs> voilà, ça pour euh, Magic Mouse. Puis j'ai pris mon Ticket to Dream. Voilà. Euh, le ticket de Join de Carolina Kubikowska qui était dans ma pack. Euh, j'avais eu l'intention de faire une double page que j'ai vraiment fait. Ça a un peu euh, fait des pas des dégâts, mais bon, on voit que y euh, a la peinture qui a dépassé alors que c'est du papier vraiment très épais. Euh, mais bon, apparemment, il faut quand même faire un peu attention avec l'aquarelle. Je pensais que jusqu'à présent, j'avais entendu que ce papier était super génial pour l'aquarelle, mais c'est vrai que apparemment, même s'il est épais, il faut quand même faire attention. Et j'ai fait aussi une double page très très simple mais qui m'a beaucoup beaucoup amusée. Bon et ce n'est pas une euh, ce n'est pas une surprise. C'est encore du bleu. <laughs> je suis tellement dans ce bleu et j'ai pas l'intention je pense d'arrêter encore pour le moment. Euh, C'est marrant parce que je, comme je vous disais, je ne colorie normalement jamais du bleu. Jamais, jamais. Et là, depuis ces derniers mois, je fais que ça. Euh, sans arrêt du bleu et du rouge et du bleu et du rouge et encore de plus de bleu. Euh, voilà, et en voyant ces petites abeilles, c'était pour moi clair qu'il fallait que je les colorie pour colorier mes abeilles bleues. Regardez mes vidéos précédentes aussi dans le journaling, euh, c'est là que j'explique pourquoi mes abeilles elles sont bleues. Elles ont une représentation bien spéciale pour moi, pourquoi elles sont bleues et pourquoi mes fleurs et tout le décor autour est bleu et que la lune elle est rouge. <laughs> voilà, si vous voulez plus de détails, allez voir. Euh... Voilà mes vidéos précédentes euh, où je vais un peu plus dans les détails pourquoi. Donc euh, mes fleurs, je les ai fait euh, bah justement. C'est la même chose hein, avec les artesas que j'ai depuis quelques mois. Quoi. Les couleurs, le combo que j'ai depuis quelques mois. Euh, parfois je mets un peu plus clair, parfois je mets un peu plus foncé, mais plus ou moins ce sont toujours les mêmes couleurs. Euh, donc en crayon couleur les fleurs et les champignons d'exactement de la même couleur. J'ai mis euh, des petites paillettes bleu dessus, voilà. Et puis les baies, euh, je les ai fait un peu plus violacées pour faire des sortes de myrtilles. Et puis euh, j'avais eu l'intention de faire voilà ces splash qu'on qu souffle avec une paille. Euh, voilà, j'aime bien faire ça de temps en temps. J'aimais bien le faire dans le nightfall. Je me suis dit que ça irait bien pour ce colo là. Donc j'ai fait euh, vraiment, j'ai mis du sur le bord de l'aquarelle. Et puis de la peinture euh, Nacré de chez Action. Et puis je le mets sur le bord et puis après avec beaucoup d'eau, je, je le souffle avec une paille et puis ça me fait ces effets-là. Des petites euh, abeilles dans ce genre, toujours en noir et bleu. Et puis sur les, les ailes, je ne sais pas si vous allez le voir. Est-ce qu'on le voit ah, spécialement, c'est bête la lumière, la luminosité là aujourd'hui elle est vraiment nulle, nulle, nulle. Mais vraiment, il faut que je filme aujourd'hui parce que sinon vous n'allez rien avoir cette semaine. Euh, J'ai mis ce crayon, euh, voilà, ces crayon euh, sparkle, le Boismaka de euh, chez Action. Euh, j'aime bien le mettre sur les, sur, les, sur les ailes, ça fait que c'est ça, ça, ça brille un tout petit peu. Voilà, c'est vraiment très très subtil, hein, vraiment très subtil. Euh, mais j'aime bien ce petit effet. Euh, Voit, mais là où il n'y a rien du tout, je suis désolée, la luminosité c'est une catastrophe. Euh, mais je suis bien étonnée de, de, du doré, combien il est vraiment doré, euh, combien il m'a fait vraiment sortir euh, du pigment. J'aime bien, voilà. Donc, ça, c'est ma double page dans le Decatur Dream. Euh, J'ai vraiment particulièrement beaucoup aimé colorier dedans. Euh, de me prendre le temps, j'en avais fait un il y a plusieurs mois dans le On the Other Side. Orvedui, en pensant que j'allais faire comme beaucoup, le fond euh, que de l'aquarelle, j'avais fait cette double page. J'ai pas aimé, c'était que de l'aquarelle. Je me suis pas appliquée, c'était trop rapide pour moi. Euh, J'aime bien quand c'est rapide, mais il faut, euh, j'ai quand même besoin. Si, si j'ai vraiment fini en 10 minutes, j'ai l'impression que c'était trop rapide. <laughs> j'ai besoin de quand même euh, au moins une heure de pouvoir m'asseoir vraiment une heure sur un colo euh, et pouvoir aller dans cette énergie du colo. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais euh, de, de vraiment pouvoir euh, me familiariser avec l'illustration, surtout que les illustrations que j'utilise en ce moment... Euh, elles, une, elles, elles, me, elles représentent quelque chose pour moi. Euh, elles représentent aussi quelque chose que j'ai envie de travailler en moi. Et donc j'ai envie de me prendre du temps et d'avoir colorié les fleurs avec euh, du crayon couleur. Ça m'a ça vraiment fait du bien et j'ai beaucoup apprécié de colorier euh, dans ce livre. Comme je vous dis, je trouve que le papier, il faut quand même faire attention avec la parce que ça m'a quand même fait beaucoup de ça a quand même beaucoup euh, fait de tâches de l'autre côté. Mais euh, ici, non, là, là ça va, mais bon, on voit quand même des ombrages. Euh, je ne sais pas si vous voyez, si vous voyez aussi, oui. Ça, on voit quand même qu'il y a des splashes. Et alors, euh, voilà, j'ai pas mis tant d'eau que ça quand même. Hein. Euh, bon, je, ça, je le saurai pour la prochaine fois. Ce n'est pas grave. De toute façon, ça ne se voit pratiquement pas. Je pense que quand je mettrai de la couleur sur les autres pages, ça ne se fera plus. Mais j'ai trop hâte de revenir dans ce livre-là. Euh, ces illustrations m'inspirent de plus en plus Je trouve qu'elles ont quelque chose de très 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 spirituel euh, Autant aussi le texte, quand vous lisez les textes Ça explique aussi pourquoi c'est parfois un peu creepy Parfois c'est un peu dark comme on le pense ou le voit non, Surtout avec les yeux et puis euh, euh, Voilà, l'emplacement euh, Voilà, le, les, tous ces ombrages qu'elle met Les, les, les yeux qu'elle met un peu partout mais si vous lisez le texte, ça explique pourquoi parce que c'est beaucoup pour euh, vraiment travailler ces ombres et, et ça, en, en le voyant dans ce, dans ce point de vue, ça change vraiment la chose. C'est pas quelque chose qui doit faire peur, mais c'est quelque chose qui fait travailler. Quoi, en tout cas pour moi. C'est comme ça que je comprends les livres de Carolina Kubikowska. Donc, euh, ouais, j'aime beaucoup, beaucoup ces livres de plus en plus. Et j'ai trop hâte de revenir dans ce livre-là. Je sais aussi déjà quelle illustration euh, prendre, peut-être pour le mois de novembre. Euh, elle irait très, très bien pour le mois de novembre. Et euh, oui, trop hâte. <laughs> voilà, on continue avec un petit... Euh... Un petit duo avec le Million Cute Animals de Lulu Mayo. J'ai fait un duo avec Cynthia. Voilà qui est ici. Euh, justement, euh, j'ai une palette de couleurs qui est dans ce genre-là que je vais vous montrer. J'ai un... Oui, je... un autre color que j'avais commencé en septembre avec justement cette palette de couleurs de violet, rose, vert, kaki, jaunâtre et puis du orange et rose. Voilà. Et en fait, cette palette de couleurs, j'ai exactement repris ces, ces crayons-là. Et je me suis dit, bah, ça irait bien pour cette petite image-là que euh, j'ai voilà, coloriée dans, dans ces teintes-là pour, pour représenter l'automne coloré. J'avais envie d'utiliser d'autres couleurs. Et je pense que ce, ce, ce violet rose fuchsia, voilà, fuchsia, on va dire fuchsia, et puis le rose pâle, euh, ça, ça donne un petit air un peu plus. Euh, euh, comment on appelle ça? Un, peu, un petit air un peu plus enjoué, on appelle ça comme ça. Euh, voilà. Euh, et coloré. Et puis je me suis vraiment beaucoup amusée à le faire. C'était relativement rapide. Alors qu'il y a beaucoup de feuilles à colorier, c'était quand même vraiment relativement rapide à faire. Euh, le fond, c'était avec euh, du pastel sec, je pense, ou être certainement. Et puis j'ai collé des petites feuilles qui sont dans les PDF. Euh, des abonnements pour le mois de novembre que je vous ai créé euh, des feuilles qui sont voilà qui sont faites en collage avec des tampons euh, que vous pouvez euh, voilà imprimer puis découper et coller et puis moi je les ai mis dans mon livre de colo <laughs> voilà je me suis vraiment beaucoup amusée à le faire je vous montre le colo de Cynthia qui elle a pris les couleurs vraiment très classiques euh, de l'automne et j'aime beaucoup euh, le, le contraste des deux ça fait que vraiment on est vraiment allé dans le thème d'automne et euh... C'est là qu'on voit vraiment les différences qu'on peut avoir dans nos différents colos. Euh, J'adore faire des duos parce que ça, ça montre combien euh, une image peut euh, différer et être autrement. Euh, comment on dit, oui, être vraiment. On peut vraiment personnaliser nos, nos illustrations euh, par rapport aux couleurs qu'on utilise et aux décors que nous faisons euh, dans le fond. Euh, J'aime énormément. Donc merci, merci beaucoup Cynthia euh, d'avoir colorié avec moi. C'était un énorme plaisir. J'ai aussi pris euh, le million d'ours de Mayo aussi. J'aime beaucoup ces deux livres. Je pense que pour l'année prochaine, ce seront des filles rouges pour moi de colorier au moins un livre euh, un des deux livres par mois. Euh, Peut-être euh, quoi Peut-être les deux livres tous les mois. Ou alors euh, un des deux livres. Ou alors. Euh, voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aimerais bien vraiment continuer ces deux, ces deux livres là. Parce qu'ils sont bien avancés et que. J'ai toujours plaisir à aller dans l'ulu maillot. L'ulu maillot, c'est vraiment pour moi des livres de détente. Ils sont rapides, ils sont simples et euh, j'aime m'amuser. Voilà, j'aime vraiment m'amuser. Je trouve que c'est vraiment... Euh, on pourrait vraiment les utiliser aussi comme livres de coloriage pour enfants, je trouve. Euh, et euh, voilà, moi j'aime beaucoup. Je n'ai jamais... Je m'en lasse jamais des, des, des illustrations et des livres de Lulu Mario. Et j'ai fait cette double page avec Patricia. Et c'est là que j'ai fait beaucoup, beaucoup de citrouilles. Cette double page, elle a 12 citrouilles, si je ne me trompe pas. Euh, Qu'est-ce que j'ai écrit Oui, 12. Parce qu'en en fait, on voit ces trois gros citrouilles. On voit un, deux. 3 et après ici il y a plein de petites encore donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ça fait 12 citrouilles donc euh, c'est pour ça qu'après à la fin il fallait que je fasse attention de ne pas en faire de trop de citrouilles pour justement faire le challenge et à force de faire attention ben j'ai même pas réussi à faire le challenge parce qu'il m'en manque je crois encore 2 2 2 deux citrouilles <laughs> pour avoir mes 23 mais c'est pas grave je les ferai en novembre hein, pas grave hein. euh, c'est pour s'amuser euh, donc moi j'ai repris ben justement les mêmes couleurs que j'avais utilisées pour euh, euh, voilà les, les quatre saisons de la petite fille ce sont exactement les mêmes couleurs euh, que j'ai pris ici que j'ai repris euh, dans ce livre là et là on voit aussi la différence avec euh, la différence de papier euh, ici c'est beaucoup plus vibrant que dans l'autre des quatre saisons euh, ça m'a quand même pris beaucoup, beaucoup de temps. Et d'un autre côté, je me suis vraiment beaucoup amusée de continuer d'aller sur cette palette de couleurs. Je me suis vraiment amusée. Et j'aime bien, vous savez, hein, je reste dans cette palette. J'ai cassé quelques couleurs et avec ça, j'essaie de faire tout le colo. Cette fois-ci, mes ours sont en, à l'aquarelle pour aller un peu plus rapidement. Et puis, j'ai mis ici et là un peu de euh, stylo gel, justement, un, un peu doré. Et ici et là aussi, un peu de. Hum, euh, de, 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 de violet voilà euh, l'eau je l'ai fait dans ces couleurs grisâtres si vous savez si vous connaissez ce livre dans ce livre je ne fais pas je ne fais jamais de l'eau bleue comme je vous dis j'ai un problème avec le bleu normalement donc je ne fais jamais d'eau bleue et je ne fais jamais de fond bleu euh, ni de ciel bleu chez moi y a toujours une autre couleur et dans ce livre là l'eau représente toujours du thé euh, oui, parce que dans ce livre, là, il y a vraiment beaucoup de thé. Euh, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de, de thé. Donc là, c'est de la tisane de, de menthe. Euh, là, j'ai de la tisane de, de cerise. Et puis là, je me suis dit que ça va être, euh, euh, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez, quand vous mettez pour vos plantes un peu d'engrais, vous pouvez mettre de, de, de l'ortie dedans. Ça fait que l'eau devient grisâtre, brunâtre. Voilà et je me suis dit qu'ils sont en train de planter, euh, d'arroser leurs citrouilles pour qu'elles devienne encore un peu plus grosses Donc il y a, euh, voilà, de l'engrais de, de, de quoi En fait, vous, met, vous coupez vos orties, vous mettez les orties dans l'eau et puis après vous recevez de l'eau comme ça. <laughs> voilà et ça fait de l'engrais pour vos plantes. Ça pue beaucoup mais voilà apparemment c'est très oui c'est na très naturel et ça, voilà, ça aide les plantes à grand grandir, à grossir. Donc, je me suis dit, voilà, il y a un peu euh, de l'ortie dans euh, mon eau no à arroser. Euh, ici, le fond, c'est avec des Albrecht Dürer. Et puis, le fond, ici, c'est un métallique euh, de castle À ce place, euh, je me suis dit, je vais essayer de faire vraiment que avec un crayon de, de, de couleur. Euh, vraiment un aplat et euh, voir si vraiment on voit un peu le métallique. Je trouve qu'on ne voit pratiquement pas les métalliques, euh, crayon métallique de chez cela se plaît J'aime beaucoup les couleurs, mais je trouve pas que c'est métallique. Euh, mais j'aime bien, euh, j'aime bien les, j'aime bien, euh, oui, j'aime bien le fond comme ça. Peut-être que je le ferai de temps en temps quand il n'y a pas des grosses surfaces, mais voilà justement les petites comme ça, c'était vraiment agréable et très très apaisant. Voilà, je vous montre le colo 2 euh, de... Patricia qui a fait un colo, j'adore le colo de Patricia, elle a elle vraiment lâché dans les couleurs, elle a fait quelque chose de très néant, très coloré, euh, les petits ours dans toutes les couleurs. J'adore, elle s'est lâchée. Et c'est ça que j'adore, c'est quand on essaye de faire de nouvelles choses et de sortir de sa zone de confort. Et donc, euh, Patricia, j'adore tes petits ours. J'adore cette double page. Je la trouve super géniale. <laughs> Voilà. Donc, vous voyez la différence. Euh, je suis allée plutôt dans le classique. Elle est allée un peu plus dans euh, la créativité, dans, dans le foufou. Euh, voilà. Je, hein, on se lâche et ça rend super bien. Moi, j'adore. Donc, merci beaucoup d'avoir colorié avec moi. Un troisième duo. Je vais m'asseoir un petit peu. J'espère que vous allez quand même voir. J'ai stressé dans le dans Le champ, euh, un petit duo avec euh, le livre euh, La de Neuve, ce sont Les enfants champignons de Christel Fogel. J'adore ce livre et ce livre, je crois que jusqu'à présent, j'ai toujours colorié avec Cendrillon. Et donc, avec Cendrillon, nous avons décidé de faire cette double page. Disons que Cendrillon elle avait déjà depuis plusieurs mois fait la page de gauche et ça fait aussi déjà plusieurs mois qu'elle me propose de faire le colo euh, de droite. Et euh, bah, je me suis dit, bah, si cette fois-ci, allez, on y va. Comme ça, au moins tu auras ta double page. Je me suis dit, moi aussi, je vais essayer de faire la double page. Comme ça, euh, elle sera faite aussi. Euh, donc, je n'ai pas que fait celle de droite, mais j'ai fait aussi celle de gauche. Euh, elle était super rapide. Donc, euh, je me suis dit, je ne vais pas regarder ce qu'elle a fait. Elle avait déjà envoyé l'image et tout ça. Et je me suis dit, euh, non, non, je regarderai seulement quand j'aurai pratiquement fini ou quand je serai vers la fin pour, pour voir les couleurs qu'elle a utilisées pour vraiment pas se laisser influencer. Et là aussi, super intéressant. Chez elle, c'est très gai, très joyeux, très coloré. Elle aime utiliser beaucoup, beaucoup de couleurs. Ce que moi, je n'aime pas faire, je n'ose pas. Et quand je le fais, je ne sais pas pourquoi je n'aime pas chez moi. Mais quand les autres le font, comme chez Cendrillon qui met beaucoup de couleurs, je trouve ça toujours magnifique. Ça, je comprends pas pourquoi moi, je n'aime pas mes colos quand je mets beaucoup de couleurs. Et, et pourquoi j'aime tant chez les autres. Euh, Peut-être que c'est, je sais pas. Ça, ça, ça m'étonne à chaque fois, mais voilà. Vous voyez que chez elle c'est très gai, très très joyeux, euh... voilà, très coloré et j'adore ça. Et euh, chez moi, je suis allée vraiment plutôt dans les couleurs vraiment automnales. Euh... Là, je crois que, justement, je crois que chez les Crystal Fog, j'aime beaucoup utiliser les Castella Supply parce que j'ai l'impression que c'est quand même très petit j'ai l'impression qu'avec les Castella Supply qui sont un peu plus durs que les Arteza ou les Artex, euh, je peux mieux travailler euh, les illustres. quoi, je peux mieux colorier, j'arrive mieux à colorier et aller dans les petits détails, euh... Quand on voit l'illustration au début, on se dit oh là là, tous les détails, ça va se prendre vraiment beaucoup de temps et tout ça. Et en fin de compte, elle a vraiment raison. C'est ce que Cendrillon me disait aussi. Elle dit euh, on a l'impression que c'est beaucoup, mais quand on commence par exemple par les petits personnages, on a fait les personnages, après ce sont les fleurs et après ce sont les, euh, les feuilles, ben en fait, après c'est très rapide. Euh, et c'est vrai. Euh, moi, je commence pratiquement toujours avec les feuilles, euh, les fleurs, et. Entre-temps, j'arrête et je commence à utiliser les couleurs que j'ai utilisées euh, pour les feuilles et les fleurs pour aller sur les petits personnages. Donc moi, je crois que j'avais fait les, les, les fleurs jaunes, euh, le feuillage, et puis après, je suis allée sur cette petite fille. Euh, voilà, sur cette petite fille. Et puis, je suis allée sur les autres personnages pour après revenir sur les autres fleurs et euh, le fond. Euh, et je fais toujours la double page en même temps pour vraiment avoir une sorte de balance entre les couleurs. Et j'utilise les mêmes palettes de couleurs pour la double page. Ce que j'avais fait aussi avec Cendrillon sur celle-ci. Euh, C'est ce que j'ai fait voilà, sur celle-là. Et euh, je me suis vraiment beaucoup amusée. Euh, j'ai mis quelques petites notes en plus qui n'étaient pas. Il y avait celle-ci qui était déjà dessinée sur, sur le livre de Kressel Vogel. Et je voulais qu'on voit qu'il qu y a vraiment de la musique. Ils font de la musique. J'ai l'impression qu'on ne le voyait pas assez. C'est pour ça que j'ai mis quelques petites notes en plus. Euh, vraiment, pour vraiment, voilà, et puis les petits traits que vraiment il est en train de taper ses petits tambours, euh, voilà, pour montrer qu'il y a vraiment de la musique et qu'ils sont vraiment en train de danser euh, voilà, je me suis vraiment bien amusée, donc comme je vous dis du castellar sur place, euh, peut-être ici là, quelques crayons justement, ah, oui, peut-être les crayons aussi euh, euh, les colottes pencil que, que j'ai reçus, cadeaux que je ne sais toujours pas qui me les a offerts, mais la personne qui me les a offerts, merci, merci beaucoup j'aime beaucoup, beaucoup ces crayons ils sont vraiment géniaux, j'adore. Euh, je pense que c'est pour ça que la personne me les a offerts, Ils ressemblent extrêmement au Arteza. Je trouve que la texture est très 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 ressemblante et les couleurs aussi ressemblent beaucoup beaucoup au Arteza. Merci beaucoup. Euh, j'ai vraiment fait presque qu'utiliser ça au mois de euh, au mois d'octobre. Je les ai vraiment beaucoup utilisés. Vous voyez, j'ai encore la petite boîte avec les crayons que j'utilise en ce moment. Euh, Ouais, j'adore. Vraiment, ils sont super géniaux. Je les aime beaucoup. Ils sont vraiment euh, très gras, euh, vraiment très ressemblants aux Arteza. Et comme on n'arrive plus à recevoir les Arteza, euh, je ne sais pas pourquoi, eh bien, c'est une super bonne alternative. En tout cas, encore meilleure que les RTX. Les RTX, ils sont quand même un peu plus durs. Euh, ça, c'est vraiment super génial. Donc, la personne qui me les a offerts, merci beaucoup. Je suis trop contente de les avoir et je les utilise vraiment beaucoup. Voilà, donc c'est ce que j'ai ici et là utilisé un petit peu, je crois, le jaune. Euh, Peut-être euh, quelques brins aussi, c'était de ces crayons-là. Et puis, euh, l'herbe, je l'ai fait à l'aquarelle. Le fond, pastel sec. Dans les vogel dans les petits enfants champignons, j'utilise très souvent euh, que de l'aquarelle, de la, des pastels au fond. Pour vraiment pas trop charger l'illustration. Vous voyez que c'est très très clair. Chez moi, c'est un peu plus foncé. Mais bon, vous, vous voyez très peu. Et puis, j'ai mis euh, la petite... Euh, traduction Que je vous avais fait en PDF, que je mettrais petit, j'y pense, je la mettrai dans la barre d'infos si vous voulez vous télécharger la traduction de, de tous tout les textes qui sont écrits sur le côté parce que c'est écrit en allemand, je vous les ai traduits en français, je, je l'ai mis sur, sur le bas. Voilà, donc merci beaucoup, euh, Cendrillon, c'est toujours un énorme plaisir de colorier avec toi les cristaux fourrés Vraiment, les cristaux ça devient notre. Euh, voilà, c'est ce que nous aimons colorier ensemble. <laughs> Parce que Cendrillon aime beaucoup, beaucoup ses... voilà, cette illustratrice et puis euh, ce petit personnage. Elle a vraiment beaucoup de livres de cette euh, illustratrice. Moi, j'ai vraiment que celui-ci. J'ai celui-là avec euh, les herbes. Euh, je ne sais pas où il est. Et j'ai celui avec les fleurs. Voilà, j'ai celui-ci avec les fleurs et les herbes qui est euh, là, ici. Voilà, j'ai que ces trois-là. Et elle, elle en a. 5, 6, peut-être. Elle en a vraiment beaucoup. Elle en a... Ouais, mais vraiment, j'aime beaucoup cette illustratrice-là. Euh... Et puis, comme Cendrillon aussi, eh ben, on le fait régulièrement ensemble. Donc, merci beaucoup, Cendrillon. J'ai repris mon Forest Song de André Hemson, qui était un cadeau de Christine. Et c'était presque clair. Parfois, j'ai besoin de longtemps pour commencer à colorier dans les nouveaux livres. C'est très souvent comme ça. Quand mes livres ne sont pas commencés, j'ai du mal à commencer. Mais quand j'ai commencé, après, c'est très simple à revenir. Euh, plus ils sont coloriés, plus c'est facile pour moi à revenir. Et euh, j'avais déjà fait cette illustration, si vous vous rappelez, comme toujours... Euh bleu et rouge, avec vous en disant que j'aimerais vraiment bien y revenir c'était très très rapidement clair que j'allais faire cette illustration là euh, qui est aussi automnale et qui représente aussi un peu euh, mon, euh, mon mon cheminement mon ch voilà, mon, mon, le, oui, voilà mon cheminement dans mon développement personnel et ça je le fais vraiment de plus en plus que j'utilise vraiment des illustrations qui représentent ça et en voyant ce chêne et en pensant euh, où j'aime aller, euh, j'ai un gros chêne que, que j'aime bien y aller régulièrement, où je m'assois près du gros chêne et puis que j'aime faire des voyages chamaniques ou des méditations, euh, j'aime bien m'asseoir là parce que je sais que sur ce gros chêne, il y a une porte justement pour descendre dans le bas-monde, pour aller voir les petits peuples. Euh, J'adore <laughs> les petits peuples et puis les... Euh... Euh, comment on dit, euh, et, et, et euh, les, animaux, les animaux totems et tout ça, c'est là que je, 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 je vais régulièrement pour justement m'asseoir là-bas. Et puis voilà, je trouve que cette illustration-là la représente très très bien, justement, ce gros chêne. Euh ce petit peuple, ces animaux qui sont là. Et puis, en fait, c'est chez ce gros chêne que j'ai fait aussi la rencontre des enfants champignons juste avant de recevoir ce livre-là. Donc, pour moi, il a une grosse représentation. Et en feuilletant ce livre, je me suis dit, il faut que je colorie cette illustration-là qui ressemble à ça euh, quand ce n'est pas colorié. Voilà et puis euh, comme je vous dis je prends les mêmes les mêmes couleurs donc on revient avec ce euh, orange jaune rose clair et puis les vous voyez les couleurs des feuilles ce sont vraiment les feuilles comme j'ai dans les autres illustrations je prends vraiment les crayons que j'ai sortis et je ne prends pas je prends rien d'autre <laughs> je prends vraiment rien d'autre même euh, le tronc d'arbre c'est euh, le rouge que j'ai utilisé dans le crystal fogel. <coughs> Voilà, c'est le même rouge que j'ai mélangé avec du brun et du roux, et du, euh, du brun et du vert justement des feuilles. Donc vraiment je prends toujours les mêmes crayons. J'ai vraiment peut-être une vingtaine de crayons qui sont sortis. Et après c'est qu'avec ça que je fais pendant tout le mois. <laughs> et voilà, et je me suis vraiment beaucoup amusée. Le fond là, c'est euh, le bas là, c'est du des Albrecht dürer. J'ai mis euh, un peu d'aquarelle pour les buissons. Et puis euh, voilà, sinon tous les crayons de couleur. Est-ce que j'ai mis des stylogènes Je un tout petit peu le doré <coughs> pour ces points, pardon. Et puis c'est tout. Je me suis vraiment beaucoup amusée. Euh, j'ai vraiment adoré colorier cette illustration là. Et ça ne m'étonnerait pas si j'y reviens relativement rapidement. Euh, il faut vraiment faire attention avec l'aquarelle parce que ça. Voilà. Ça fait beaucoup de tâches de l'autre côté. Mais c'est pas grave comme il euh, n'y a, a pas de colo derrière. Ce n'est pas grave du tout, mais maintenant j'ai deux colos dans ce livre, je suis trop contente et euh, j'ai bien hâte de revenir dans ce livre. Je l'adore de plus en plus. Euh, vous voyez, quand je vois ça, je me dis oui, j'ai envie, j'ai envie <laughs> de colorier Voilà, j'avais pensé à faire celle-ci aussi. Ça irait trop bien de passer dans le, vers le, dans, dans le miroir. Ouais, ce serait trop mon truc. Éventuellement en novembre, si j'y pense, si j'ai le temps. Euh, au, au moins le commencer. J'adore, j'ai trop envie. <laughs> euh, oui, j'adore. Merci beaucoup Christine. Je le répète, hein, je crois que ça fait presque un an que j'ai ce livre maintenant, mais vraiment vos cadeaux, et, et ils représentent beaucoup et en fait j'adore ce que vous m'offrez parce que euh, c'est comme si vous saviez que ça allait faire quelque chose en moi, euh, parce que ça fait vraiment quelque chose en moi. Euh, c'est vraiment du travail qui après souvent me donne des réponses ou, ou donc, où je vais dans l'énergie et puis après ça, ça fait quelque chose, voilà. <laughs> euh, voilà. Donc ceci. Je l'ai aussi pris mon Wonderful Little World, le volume 3 Les Hobbits, que j'avais reçu cadeau de Béatrice, et Béatrice m'a offert plusieurs livres que j'ai toujours pas commencé, euh, mais ces livres-là sont quand même très... pas si faciles à... 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 à colorier je trouve elle m'offrait des livres parfois un peu plus où oui, il faut vraiment travailler dessus que c'est pas quelque chose détente détente et celui-ci j'ai eu besoin de deux mois pour deux trois mois pour colorier dedans euh... mais je me suis vraiment beaucoup amusée j'avais au début un peu de mal avec les avec ce papier là voilà c'est pour ça que je me suis pris du temps pour euh... mais j'aime bien quand même le résultat j'ai fait le petit jardin euh, voilà que j'ai fait là. Euh, le papier est très très glissant en fait. C'est un papier, je pense, qui est fait pour euh, marqueur à alcool et je veux pas faire ça avec du marqueur à alcool. Je trouve que c'est trop petit, il euh, y a trop de détails, c'est trop. J'ai plus, j'ai pas envie de faire ça avec le marqueur à alcool. Et il fallait que je trouve les crayons qui me conviennent pour colorier cette illustration. Donc euh, j'avais commencé à faire les coquelicots avec des Caster Supplies. Euh, que je n'ai pas aimé, je trouvais que ça faisait que les couleurs étaient beaucoup plus fades qu'elles ne sont vraiment. Euh, je n'ai pas trop aimé colorier avec les casselards de supplémentaires dessus. J'ai pris des artesas pour les... pour les trèfles et les fleurs de trèfle. Que je n'ai pas spécialement aimé non plus. Donc euh, j'ai pris... Qu'est-ce que j'ai pris après Je sais même plus. J'ai pris des bruits de funeur ça allait mais bon bruit de fleurs c'est très les bruits de fleurs macarons donc euh, c'est très très pastel donc euh, oui de temps en temps sur quelques touches ça va et j'ai pris les color pencils et eux ils allaient beaucoup mieux pour faire euh, le restant des, des feuilles euh, voilà et puis les autres petits euh, personnages et puis les, les carottes et tout ça c'est fait avec justement ces crayons là c'est vraiment je crois que la plus presque quoi vraiment tout le reste je l'ai continuer avec les color pencils euh, Voilà, je n'ai pas essayé de beaucoup plus. Euh, tout ce qui est fond, tout ce qui est sol, terre, terre gazon, c'est fait avec... Il y que je n'ai pas euh, spécialement aquarellé. Ici et là, je l'ai fait un tout petit peu, mais après, je l'ai laissé plutôt euh, sec. Et puis, le chemin, je l'ai fait à l'aquarelle, mais il faut, vraiment, je conseille pas de faire, vraiment pas du tout de faire de l'aquarelle sur ce papier. Ça glisse, la couleur ne tient pas. Euh, bon, Aquarelle, ça ne marche pas. Là, euh, le ciel je l'ai fait avec des crayons, les des les dupes de gelatos de, de chez Action. Et voilà, Bustilo gel pour les pour euh, euh, le, les nuages. Et puis euh, c'est tout. Ouais, c'est tout en fait il y a beaucoup de détails et en fait ça va relativement rapidement plus ou moins hein, je me suis pris beaucoup de temps ah oui il y a du feutre aussi du feutre à eau. mais en fait c'était vraiment sympa moi j'aime bien quand c'est répétitif donc ça me dérangeait pas du tout de faire une dizaine de salades de 20, 20 fleurs 20 carottes et 30 fleurs quoi <laughs> ça, ça ça me dérange pas du tout euh, je me suis bien amusée voilà je me suis pris du temps et je crois que c'était bien de se prendre du temps j'avais peur que ça aille trop dans les dans que je fasse encore trop de couleurs, mais en fait ça va, je trouve que ça va. Là, ça a l'air très rosâtre, orangeâtre là chez vous. Bon, c'est la lumière qui n'est vraiment pas bonne aujourd'hui. Je suis trop désolée. Euh, voilà, mais au moins vous l'aurez vu et il est terminé. Donc merci beaucoup Béatrice de m'avoir offert ce euh, bloc que j'aime beaucoup. J'ai vraiment hâte d'y revenir. Et comme je vous dis, maintenant que j'ai commencé, ça sera plus simple de revenir dans ce, euh, ce bloc-là. Euh, mais j'ai aussi encore les autres livres à commencer que tu m'as offertes, donc j'ai encore de quoi faire. <laughs> voilà, ça pour le Wonderful Little Words. Et comme tout dernier colo, si je n'ai rien oublié, oui, si c'est ça, je suis allée dans mon colo Mistress Free et c'est le seul en cours avec euh, justement le, le bloc. Euh, ce sont les deux seuls en cours que j'ai terminé. Euh, ce mois-ci, j'ai un peu fait dans les autres, mais pratiquement non. Euh, je regarde ce que j'ai là dans mon. Bon non, j ai, j ai vraiment, j'avance en, pas beaucoup mes encours, mais, mais au moins j'en ai fait terminer deux. C'est déjà, déjà ça, n'est-ce pas <laughs> Donc j'ai pris mon Color Mist West Sweet de Angela Potter et j'ai terminé ce colo là. Donc c'était ce que je vous disais, c'était cette palette de couleurs que j'ai utilisée et que j'ai vraiment bien, euh, voilà, que j'avais pris aussi pour mon euh, Lulu Mayo. Voilà, c'était ça. C'était les mêmes couleurs que j'ai fait sur celui-ci. Il m'a pris énormément de temps. Normalement, dans ce livre-là, ce sont des mandalas ce sont des, des, des euh, illustrations qui sont vraiment euh, très simples, qui ne représentent rien en fait. C'est super détente. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup colorier dans ce livre quand j'ai envie de me détendre. Euh, mais. Euh... Ai, comme j'ai tout fait en dégradé, ça m'a pris beaucoup de temps parce que vous voyez euh, tous les motifs <coughs> et même dans les petits carrés j'ai fait des dégradés et c'est ça qui m'a pris énormément de temps. À un certain moment je n'avais plus trop envie et puis <coughs> <coughs> pardon euh, et puis euh, c'est vraiment seulement à la fin du mois que je me suis remise et que ça voilà j'avais envie de, de le finir. Euh, le bleu <coughs> oh pardon le bleu, c'est euh, un feutre euh, à paillettes, euh, à eau. Mais c'est le seul feutre. Tout le reste est fait, euh, justement, dans cette palette de couleurs, euh, des euh, colored pencils. Voilà, de cela. Et comme je vous dis, euh, je... Alors, en mélangeant avec des artisans, je crois. Voilà, j'ai pris ces deux gammes. Euh, voilà, je me suis bien amusée. J'aime bien le rendu. Ça fait très coloré. Comme je vous dis, ça m'a pris du temps, mais euh, j'aime beaucoup maintenant feuilleter euh, mon, mon livre parce qu'il y a beaucoup de pages qui se suivent et ça rend bien. <laughs> j'aime beaucoup quand les pages se suivent et qu'on peut feuilleter et qu'on voit que voilà les colos se suivent, se continuent. Et puis, euh, j'ai deux chapitres de commencer qui sont vraiment bien, bien entamés. En fait, normalement, pour la fin d'année, j'aimerais bien terminer justement ce chapitre-là et me montrer cette Illustration et celle-ci, je ne sais pas si je vais y arriver, euh, mais voilà, ça, ça rend bien quand c'est rempli. J'aime beaucoup. Voilà, c'est pour ça, pour ça. Quand, quand les livres sont commencés, plus il y a de colo de fées, plus, plus j'ai plaisir à revenir parce qu'on voit que le livre avance et ça fait plaisir de feuilleter, de refeuilleter et de re-refeuilleter le livre. Voilà, donc ça c'était mes 12 pages. Euh, que j'ai colorié. Je compte toujours en pages et non pas en coloriage. Une double page pour moi c'est 2, Ça fait deux. Donc c'est pour ça que ça fait 12. <laughs> pour les personnes qui se demandent comment je compte. Euh, voilà, une double page, ça fait deux pages. Donc euh, ça fait 12 pages. Donc je, je suis contente. J'ai quand même beaucoup avancé. Je ne pensais pas que j'en ferais autant. Euh, donc je me suis bien amusée. Euh, on est le 6. 8, 8 novembre, j'ai encore rien fait, je n'ai pas encore commencé ce mois-ci. Euh, donc on verra combien je ferai <coughs> ce mois-ci. Euh, mais bon, hein, c'est pour s'amuser, c'est pour se détendre, c'est pour... Euh, moi, moi c'est aussi beaucoup pour mon euh, développement personnel, pour avancer, pour travailler euh, sur les sujets qui me euh, travaillent, voilà, qui me... qui sont euh, là maintenant euh, devant moi, sur lesquels j'aime bien me poser dessus. Donc. On se laissera surprendre. Voilà. Donc j'espère que cela vous a plu, que ça vous a donné peut-être aussi envie de colorier. Et euh, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.